Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette période de fin d'année, je vous emmène en Laponie. Non pas pour rencontrer le Père Noël, mais pour aller à la rencontre de Lapland Ice Driving. C'est parti. Alors nous sommes avec Monsieur Gallardo qui est le directeur de Lapland Ice Driving. Monsieur Gallardo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous-même? Ça va, merci, merci. Alors déjà, merci pour votre temps, merci de nous accorder un petit peu de temps pour échanger sur votre société. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que Lapland Ice Driving? Dites-moi. Alors nous sommes une école de pilotage qui organise des prestations de pilotage sur glace en Laponie suédoise. D'accord. Nous disposons pour ça du plus grand centre de pilotage au monde qui est notre propre infrastructure. En fait, personne d'autre que nous y accède. 13 circuits, dont 5 circuits de Formule 1 reproduits à l'échelle 1. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc c'est vraiment très très grand. C'est également, on peut le comprendre, très rapide. Hein, sur les circuits de F1, on arrive à prendre 200, 210, 220, 240 km/h suivant les voitures et suivant les compétences du gars qui conduit. Tout ça, ça évolue en toute sécurité puisque il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de rail. C'est la question que j'allais vous poser. Du coup, on n'a pas de dénivelé, vous avez reproduit quoi? Alors, on est tout à plat, effectivement. Bien sûr, donc, ouais, donc évidemment, et ensuite, on a choisi évidemment des circuits dont le tracé est plat. Hein, c'est le cas de Silverstone, c'est le cas du Castellet, c'est le cas de... On n'irait pas chercher un circuit comme Spa-Francorchamps, ouais, par exemple, qui monte et qui et descend. Et le Rédillon qui monte. Voilà. Vous n'avez pas le Nürburgring quand même? Non, non, le Nürburgring, la partie du tracé F1. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a la partie 5,7 km du tracé F1 qui est les plates. Alors qu'effectivement, le Nordschleife, lui, c'est une montagne russe. On est d'accord. Voilà. Exactement. Ok. Du coup, ça fait combien de temps que la société existe? Ça fait pas mal d'années, il me semble. Alors oui, j'ai créé la société en 1999. À la base, nous organisions des stages de pilotage sur des voitures de course qui s'adressaient à une clientèle de gentlemen drivers, c'est-à-dire des gens qui font de la compétition de l'huile et qui souhaitent améliorer leur pilotage. Nous disposions d'une flotte de carrière à queue pour ça. C'est des personnes qu'on amenait y compris jusqu'à la compétition. D'accord. Et en fait, ces gentlemen drivers avaient un peu tous le même problème, c'est-à-dire que approcher des limites d'une voiture, ça les stressait énormément. D'accord. Parce que des pneus slicks, c'est brutal et quand ça décroche très rapidement. Ça. Et donc, chaque décrochage, c'était une sortie de piste. Donc, évidemment, l'idée, c'était de les amener sur un terrain où on allait pouvoir glisser, découvrir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du point d'adhérence. Une fois que la voiture a commencé à prendre de la dérive, comment on fait pour contrôler la voiture, comment on fait pour être à l'aise avec ça, comment on fait pour arrêter la glisse si on a besoin d'arrêter la glisse, etc. etc. D'accord. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Pour repousser les limites, pour essayer de les comprendre, mais toujours rester en sécurité. Oui, voilà. Bah, bien sûr, la sécurité, c'est le maître mot. Et d'ailleurs, c'est au retour de ces prestations sur glace, on a toujours des clients, un, qui roule plus vite, d'accord, deux, qui sortent moins. Parce que forcément, entre-temps, ils ont pris cette expérience qui les aide dans le pilotage sur tarmac. Voilà. Donc, à la base, moi, je suis ingénieur pilote d'essai. Et c'est donc comme ça que je fréquentais la Laponie suédoise depuis 1989. En fait, chaque année de 1989 jusqu'à 1999, j'allais là-bas travailler pour les constructeurs automobiles. D'accord. Donc, je m'occupais moi-même du développement châssis, des freins, des pneus, des suspensions, des directions, etc. pour les constructeurs. J'allais sur tout le terrain du monde, mais y compris en Laponie. D'accord. Et je suis ensuite devenu premier pilote du groupe General Motors à partir de 1994. Et on m'a également envoyé 8 mois en formation chez Lotus avec deux anciens pilotes de Formule 1 où j'ai pu apprendre. Alors j'ai pu améliorer bien sûr mes compétences en termes de pilotage, j'ai pu améliorer mes compétences en termes d'évaluation des véhicules, hein, apprendre à ressentir une voiture et savoir les transcrire ensuite à un ingénieur pour pouvoir apporter les modifications nécessaires. Et puis surtout, on m'a appris le métier d'instructeur. Instructeur, c'est un métier qui est
compliqué, vous en savez un peu, parce qu'en fait, vous pouvez facilement expliquer à quelqu'un que vous allez l'aider à apprendre à jouer du piano. Vous pouvez facilement lui expliquer que vous allez l'aider à jouer au tennis. Par contre, vous pouvez difficilement lui expliquer que vous allez l'aider à mieux conduire, parce que lui, il sait qu'il sait conduire. et donc effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une part psychologique beaucoup plus fondamentale, en fait. Le but, c'est de faire progresser, j'imagine, les personnes dans un temps imparti. Donc, ils font de la pédagogie, de la psychologie. Oui. Il n'y a que deux jours, effectivement. Tout le monde n'est pas là avec le même objectif, parce qu'aujourd'hui, on reçoit des clients qui vont du pur débutant jusqu'au pilote de Formule 1. D'accord. Donc, certains sont en recherche absolue de performance, de chrono. D'autres sont en recherche de car contrôle. Okay. Puis d'autres sont tout simplement là pour avoir du fun. Donc, on va évidemment, même si la trame pédagogique reste la même, l'instructeur va ensuite caméléoniser, j'appelle ça. Ouais, c'est pas mal. Pour évidemment essayer de répondre. On va répondre à l'objectif du client qui est là. Et l'objectif, c'est qu'il reparte au bout de deux jours en sachant maîtriser une glisse. Hein. Tout le monde n'a pas évidemment le même niveau. Et en deux jours, il y en a qui sont capables de résultats exceptionnels et plus soufflants en partant de zéro. Alors que vous avez des gens qui pratiquent de la compétition depuis 20 ans, ils repartent au bout de deux jours comme ils sont arrivés le premier jour. Ouais. Bon, voilà. Donc, mais en tout cas, le rôle de l'instructeur, c'est véritablement de donner tous les outils à travers des séquences pédagogiques qu'on a mis au point et qui permettent aux participants de progresser très très rapidement. D'accord. Voilà. Concernant le programme, on ne va pas tout révéler bien évidemment. Mmh. Et concernant les véhicules, qu'est-ce que vous avez comme véhicule? Est-ce que c'est toujours la même flotte de véhicules? Est-ce que vous changez les marques, les modèles? Dites-moi. Oui. Alors, donc, lorsque j'ai débuté l'activité, le premier hiver où on a réalisé l'activité La Polynésie Driving, c'était l'hiver 2006 et j'avais une voiture. Okay. Qui était une Opel Omega. Voilà. Et donc j'ai traité 8 clients la première année, sur les pistes d'ailleurs de General Motors, qui m'avait autorisé à utiliser son infrastructure à l'époque, donc ce n'était pas mon infrastructure, mais la leur, qui était le centre d'essai General Motors sur glace. Okay. L'année d'après, de 8 clients, on en a eu 17. Donc, j'ai eu une deuxième voiture qui était une deuxième Opel Omega. Et d'après, de 17 clients, on est passé à 33. Donc là, j'ai commencé également à intégrer des BMW. Et d'après, de 33, on est passé à 52 clients. Alors, on a commencé à mettre des M3, des voitures comme ça. Et puis après, on a commencé à avoir les premiers Caïmans, etc. Au fur et à mesure, la flotte montait non seulement en quantité, mais également en gamme. D'accord. Et en fait, on s'apercevait que plus on montait en gamme, et plus on avait de la clientèle, et plus le produit devenait bon, qualitatif. Voilà, qualitativement. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de ce que vous proposez, c'est pas des véhicules de monsieur et madame tout le monde dans l'absolu. Oui. Là, vous avez le rêve des véhicules, le rêve des lieux. Voilà, alors aujourd'hui, effectivement, donc, nous disposons d'une flotte de 30 voitures qui se compose de Porsche, de Ferrari, de Lamborghini, BMW, Alpine, j'en passe et des meilleurs, Subaru, Toyota Yaris GR, etc. D'accord. Donc effectivement, on a une flotte très 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 variée qui permet donc à tout le monde de pouvoir choisir le programme qui lui convient en fonction des véhicules pour lesquels il a une attirance. Hein. On peut changer de voiture tous les jours. On peut faire par exemple un programme Alpine en jour 1, BMW M4 en jour 2 et Porsche GT3 en jour 3. Voilà. Donc on ne fait pas plus d'un changement de voiture par jour, parce qu'en fait, plus on change de voiture et moins on progresse. Hein, l'idée, c'est véritablement de valider à chaque fois, à chaque étape. Et le fait de changer de voiture nécessite qu'on reparte de zéro. Et donc, en fait, on n'arrive pas à progresser. Idem, un participant qui va venir pour la première saison, il ne fera jamais conduire de 4 roues motrices. On lui fait d'abord valider, maîtriser la 2 roues motrices. D'accord. Puis, s'il revient une autre fois, il pourra faire de la 4 roues motrices, parce que le pilotage, vous le savez, est totalement différent. La façon de contrôler la voiture est totalement différente. Et en particulier, il ne faut absolument pas de contre-braqué quand on conduit une 4 roues motrices. Or, l'instinct vous amène toujours au contre-braquage. Donc, c'est très compliqué d'y arriver. Et puis voilà. Donc, ça crée de la frustration. Alors que ce qui crée du plaisir, c'est la réussite. C'est-à-dire, quand vous décidez ce que la voiture va faire, c'est à ce moment-là où vous prenez du plaisir.
faire un tête à queue, c'est marrant une fois, c'est marrant deux fois, ouais. Mais toute la journée. La fin de la journée, c'est compliqué. Voilà, la fin de la journée, c'est. On a l'impression de ne pas progresser. Exactement, on se décourage. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc. J'ai encore deux petites questions. Alors, là, la Pologne, moi, je ne connais pas du tout. J'ai deux, trois questions par rapport à la température là-bas. Comment ça se passe? Déjà, à quelle période de l'année vous faites les stages? Alors, forcément, l'hiver. Hein, on est là-bas. On est là-bas en janvier, février, mars. L'hiver, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le moment où il y a de la glace. La glace est justement en train d'arriver en ce moment même. Hein. Nous sommes le 6 novembre, le lac est en train de finir de geler. Ils vont entrer sur le lac en tout début de semaine prochaine. D'accord, bah, le temps de faire le montage. Le temps de faire le montage. On sera quasiment avec de la glace. Voilà, et donc le premier travail qu'ils vont faire en arrivant sur le lac, ça va être de faire tout le repérage. C'était de planter tous les piquets. Chaque piquet est repéré par un point GPS et donc ils vont aller planter tous les piquets de tous les circuits. Donc, c'est un travail de Romain. Ils font ça en boucle de neige, c'est des jours et des jours et des nuits à passer. Voilà. Bon, peu importe. Donc, janvier, février, mars, nous débutons. Donc, c'est un processus ensuite de 2 mois pour fabriquer l'intégralité de l'infrastructure. C'est 10 personnes qui travaillent pendant 2 mois avec des machines, des souffleuses, des dameuses, des. Enfin, voilà. Bon, peu importe. Quand nous arrivons début janvier, c'est le moment où, en fait, on commence à rouler. Donc, nos clients vont. Nous, on arrive le 2, mais nos premiers clients commencent à rouler le 7, le temps de se préparer diverses choses qu'on a à faire. Et donc, on va rouler sans discontinuer. D'accord. Du 7 janvier jusqu'au 22 mars. D'accord. C'est quoi? C'est toute la semaine, week-end compris? Il n'y a pas de week-end là-bas en Laponie? Des week-ends, mais on a une activité saisonnière, c'est comme un restaurant à Saint-Tropez, si vous voulez, il ne ferme pas le dimanche. Ah, voilà, ben nous, c'est pareil. Ok, pas de souci. Concernant les conditions, du coup, au niveau de température, on est vraiment dans l'ennui. Effectivement, j'ai oublié. Ouais, on est vraiment dans l'ennui. Vous êtes parti de là et j'ai oublié ce soir. Je pars souvent très très loin. Ouais. Donc, effectivement, la température moyenne l'hiver est. Depuis 2-3 ans, autour de moins 13. D'accord. La température moyenne. Sachant qu'il y a 30 ans, quand j'y allais, la température moyenne de l'hiver était plutôt autour de moins 15,5. D'accord. Là, on est plutôt autour de moins 13. Donc, on voit quand même un réchauffement. Mais cela dit, il n'y a pas d'incidence, si vous voulez, sur notre saison. Elle n'est pas raccourcie. On peut toujours continuer à rouler. Et il y en a encore pour un moment. Je le souhaite. Voilà. Je le souhaite également. Il y en a encore pour un moment avant que ce ne soit plus possible. En tout état de cause, donc moins 13 de température moyenne, avec des fluctuations qui vont de 0 jusqu'à moins 40, moins 45, j'ai même connu moins 52 là-bas. Ma première année, 1989, ça pique. Ah oui, j'imagine. Et les véhicules, c'est quoi? Vous ne les coupez pas? Sinon, elles ne démarrent pas? J'exagère? Non. Alors, les véhicules, déjà, pour commencer, la nuit, dorment à l'intérieur. Oui, bien sûr. Dans un garage chauffé, comme ici. Voilà, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Donc, quand on les démarre le matin, elles sont pas chaudes d'un point de vue moteur, mais je veux dire, elles ne démarrent pas à moins 40. D'accord. Bon. Ensuite, les voitures sont utilisées toute la journée, finalement. Elles sont parfois arrêtées quelques minutes parce qu'on descend du véhicule, on va prendre un café, mais c'est pas ça qui va d'un coup, en quelques minutes, remettre une voiture à moins 40. On n'a pas un choc thermique sur le véhicule. Non. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Les voitures sont tout le temps à température. Ok, parfait. Et dernière petite question technique, le soleil, les heures d'ensoleillement. Alors, c'est variable. C'est vrai, hein, ça aussi, c'est variable. Bien sûr, c'est comme ici. Vous avez remarqué qu'ici, le 21 décembre, les journées sont courtes. Bien alors sûr. Que le 21 juin, les journées sont longues. Et bien là-bas, c'est la même chose, mais en beaucoup plus exagéré. D'accord. C'est-à-dire que le 21 décembre, on a 2 heures de jour, 10h30, midi et demi. Ouais. Alors que le 21 juin, on a 22 heures de jour. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il va faire nuit à minuit et demi, il va faire jour à 2h30 du matin. Ah oui, d'accord. Tout est plus extrême là-bas. Oui. Ben oui, plus on sera. Ben, si vous allez carrément au pôle Nord, en fait, au pôle Nord, ça va être carrément 6 mois noir et 6 mois jour. C'est pour ça que j'y vais jamais. C'est pour ça que j'y vais. Raison, c'est difficile pour dormir. C'est ça. Et en tout cas, voilà. Donc, au fil de la saison, si vous voulez, ça change très très vite. C'est-à-dire que quand on arrive en début de saison, nos premiers clients vont avoir 3 heures de jour. D'accord. Alors que quand on part au 21 mars, on est à l'équinoxe. Et l'équinoxe, il est partout pareil sur la planète, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Ok. Voilà. D'accord. Donc il faut choisir sa planète quand même. Bah oui et non. Parce dans l'absolu. Non. Vous avez remarqué que nos véhicules sont équipés. Alors là, pardon, il n'y en a pas là. Mais elles ne sont pas encore installées, mais on a des rampes additionnelles d'accord. sur le toit et on y voit comme en plein jour. Ok. Et puis c'est génial. Ah oui, c'est magnifique. D'autant plus que tous nos piquets, si vous voulez, sont réfléchissants. Il y a une bande réfléchissante, donc on voit vraiment parfaitement le tracé. Alors les animaux sur les lacs, pas trop?
Ça arrive, c'est très très occasionnel. Vous avez plus de chances de croiser Monsieur Vatanen que les animaux limites. Oui, voilà. Effectivement. Ok, bon, en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis, bah, à une prochaine, à très bientôt. Voilà, à merci. Bientôt sur le lac. Ok, du coup, maintenant, direction l'atelier, à la rencontre de Maxence, qui est le responsable du coup de la préparation des véhicules. Alors, Maxence, t'es là ? Salut, Sylvain. Ah, nickel, en train de bosser comme d'habitude. Faire du rangement, hein. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, tranquillo. Qu'est-ce que tu ranges du coup là? Je range l'atelier, je range les roues parce que l'essentiel de la préparation c'est de travailler dans une bonne atmosphère. Bien sûr. Et puis avoir un atelier rangé, je pense que c'est la base. Ah bah je crois que t'as encore quelques pneus qui traînent, c'est ceux-là? Voilà, tu arrives au moment où je range. Ouais, c'est ça. Là au niveau des pneus, c'est quoi? C'est les pneus cloutés, c'est, oui, les... c'est oui, ceux-là? Oui, là on a les pneus cloutés, donc ça c'est. Pour le coup là, c'est les roues qu'on va installer sur cette future GT3. Qui va faire partie de la saison 2023 à partir du mois de janvier. D'accord, super. Voilà, donc là on a des clous de 4 mm à l'avant, 420 clous. Ok. Et on a du 3 mm à l'arrière, 580 clous. Bien sûr, cela, ça varie selon la puissance du véhicule. Oui, j'imagine. Voilà. Et l'intérêt des clous du coup? Plus de grip, j'imagine? Plus de grip, plus de freinage. On a un grip thermique qui est complètement inexistant sur place. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr, il nous faut du cloutage. D'accord. Et ça permet de rendre le véhicule praticable, mobile pour nos stagiaires. Ok. Sur ces pneus cloutés, est-ce qu'on n'a pas des risques de projection ou que les clous, j'exagère, mais dégagent du pneu, si on peut appeler ça comme ça? C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Malheureusement, même les pneus ont leurs limites. Hein. Bien sûr. Ils ne sont pas inépuisables. Sur le dessous du véhicule, est-ce que vous avez des protections? Parce que je vois que là, elle est complètement... Alors, à nu, si on peut dire ça. Alors, comme ça. Pour en revenir sur la préparation des véhicules, donc là, j'ai pas d'éléments concrets à te présenter sur cette GT3 parce qu'elle est en plein développement, tout simplement. D'accord. Par notre technicien Samir qui se trouve là-bas. Ok, super. Qui est en train de fabriquer ces fonds plats. Je peux néanmoins te les montrer ce qui a été fait sur notre Renault Alpine. Eh ben, vas-y, je te suis. Ah, du coup, il y a un travail de préparation sur chaque véhicule. Exactement. D'accord. Chaque véhicule nécessite quelques heures de préparation. Ça se calcule même en centaines d'heures. Ouais, j'imagine le boulot. Et c'est propre à chaque véhicule. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir le même type de protection sur une Alpine que sur une GT3. D'accord, ok. Voilà. Là, on peut retrouver ici un caisson de renfort ou de luge. D'accord. Sous-bassement aluminium qu'on va installer en dessous en lieu et place des protections d'origine. D'origine, ouais, ok. Donc c'est des copies, si tu veux, qui ont été améliorées. D'accord. Voilà. En aluminium. Donc l'intérêt, j'imagine, protection de la boîte, protection carter. Tout ce genre de choses? Tous les organes vitaux du véhicule. D'accord. Et la... Ouais, carter, échappement dans certains cas, les tunnels, parce que là on a un moteur qui se situe derrière, des radiateurs qui se trouvent devant, donc il faut protéger la tuyauterie qui se trouve. Bah ouais, j'imagine, ouais. Voilà. J'imagine. Et le chasse-neige du coup, c'est quoi ça devant? Eh ben c'est pour les mêmes raisons. C'est la suite logique en fait de ce qu'on a fait derrière, ou plutôt ce qu'on a fait derrière c'est la suite de ce qu'on a fait devant. D'accord, on dirait un peu le film Course à la mort. Ouais. Mais là, c'est quoi le but? C'est de casser. C'est ouais, une comparation un peu Mad Max. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça. Mais... Alors, il y a des royalties, donc on cite pas trop les noms de films, mais oui, j'avais compris. Voilà. Là, si tu veux, ça va nous servir. Donc, sur place, les pistes sont relativement dégagées, sont toujours traitées et tout. D'accord. Mais on n'est pas à l'abri d'une sortie de piste. Bien sûr. Et avec, grâce à ce sabot-là, on va appeler ça un sabot. Ça va nous aider à protéger tous les boucliers du véhicule. Derrière se trouvent les radiateurs, okay. Qui sont très très importants pour le bon fonctionnement du véhicule. Un sabot à lui seul, il faut compter à peu près 150 heures de travail pour un véhicule. Ah oui, d'accord. Et là, c'est Samir qui bosse dessus, c'est ça? Là, c'est parce que Samir, lui, il va être centré, il va être axé sur la préparation des sous-bassements aluminium. D'accord. Voilà. Ok. Et effectivement, ça, c'est fabriqué par un chevronnier, un soudeur qui vient de l'extérieur, qui nous fait ce boulot-là sur mesure. D'accord, et j'ai une dernière petite question. Donc là, j'ai compris, les sous-bassements sont protégés par les espèces de grands carters, le sabot à l'avant. Est-ce que tu as les pare-chocs, vous touchez aux pare-chocs, je vois qu'ils sont déposés? Oui. Alors, ce n'est pas le cas sur l'Alpine, on va revenir sur la GT3. D'accord, et l'Alpine, on va rester sur les boucliers origine. Ok. On va renforcer en aluminium. Donc ça ne se voit pas, si tu veux, on met l'effet d'aluminium derrière. D'accord. Bien, c'est moi. Je te suis, j'arrive. Par contre, sur la GT3. On fait les copies en fibre. D'accord, voilà. Ok. Donc derrière, il y a les pare-chocs origine qu'on servit de modèle. D'accord. On a fabriqué des moules et on a sorti derrière ça des pare-chocs en fibre qui sont très solides. J'imagine, ouais, plus rigide, plus costaud. Ah bah, on installe des grilles
sur les véhicules qu'on ouvre. D'accord. Pour, afin de dégager la neige derrière. Et ça nous facilite le travail d'installer ces pare-chocs-là. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres préparations qui sont vraiment utiles et nécessaires sur vos stages? Est-ce que vous touchez, par exemple, je sais pas, à l'échappement, au freinage, ce genre de choses ou pas du tout? Toujours sur la GT3. Ouais. Toujours sur la GT3. Là, malheureusement, j'ai pas de l'échappement. Faut pas te le montrer parce qu'il est actuellement en plein développement. D'accord. J'ai vu que les collecteurs étaient déposés et tout. Voilà, les collecteurs sont déposés. On a un véhicule aussi qui se situe donc chez un préparateur auto pour développer cet échappement en question. D'accord. L'intérêt de toucher à l'échappement là-bas? Là, c'est dû aux conditions extrêmes, les conditions climatiques sur place. Ouais, d'accord, notamment. Ok. Ça, c'est la base. Il y a d'autres raisons, mais la base, c'est ça. C'est quoi? C'est les chocs thermiques entre le chaud, le froid, ça abîme? Sur la Porsche, on a les échappements quasi continuellement dans la neige. D'accord, ok. Donc, dû aux températures extrêmes qui se trouvent sur place. Effectivement, on a des échappements qui fissurent, qui pètent sans arrêt. Voilà. Donc, on fait faire des échappements sur mesure pour faciliter l'entretien sur place, la réparation. D'accord, ok. Intéressant. Et dernière petite question, après je ne t'embête plus. Est-ce que vous touchez au freinage? Parce que vous avez certains véhicules, si je ne dis pas de bêtises, qui sont équipés d'origine de freinage céramique. Est-ce que vous passez du céramique pour de l'acier? Est-ce que vous mettez des plus gros freins, plus petits freins? Oui, c'est le cas sur les Ferrari. Les Ferrari sont en freinage céramique, on passe en freinage acier. D'accord, ok. C'est pas le cas des GT3. Les GT3 sont déjà en freinage acier. Mais néanmoins, on diminue effectivement devant la puissance de freinage. D'accord, ok. Voilà, on fait des modifications. On a des pièces faites sur mesure qui se trouvent ici. Donc, ils sont prêtes à être installées. Ah oui, c'est toute une préparation, quoi. Oui, oui. D'accord. C'est une préparation. Donc, on a effectivement des rotules de direction mini-ball. Ok. Ça nous apporte de la précision dans le pilotage. D'accord. On a ces portes fusées qui, eux, réduisent donc le diamètre des freins en déportant l'étrier vers le centre de la roue. D'accord, voilà. Ok. Et on a bien sûr nos étriers taillés dans la masse qui font partie de l'aventure cet hiver. D'accord, donc voilà. Toujours du 6 pistons, mais peut-être un peu plus fin. Toujours du 6 pistons, mais beaucoup plus fin. D'accord, donc du coup, j'imagine que le but doit être de rendre le véhicule un peu plus facilement contrôlable, si je peux dire ça comme ça. C'est ça, il faut qu'on ait une certaine mobilité. D'accord. Voilà, c'est une certaine mobilité et le freinage fait la différence. Ok. Le freinage à l'avant. Comme tu t'en doutes, freinage à l'avant, des roues bloquées, on perd la direction, on va tout droit, on fait une sortie de piste. Voilà. Ouais, compliqué. Nous, on doit rendre le véhicule facile et que monsieur tout le monde prenne du plaisir et soit en sécurité. Voilà, bien sûr. Prenne du plaisir à venir piloter. Ouais, donc en fait, les stages en Laponie, c'est pas juste je prends mon véhicule et on est parti, il y a toute une préparation derrière. On reste une école de pilotage, donc une préparation et une formation pour nos stagiaires. Et voilà. Après, chacun évolue comme il veut ou comme il le peut. À son rythme, à bien son sûr. Rythme, mais il y en a pour tous les goûts. D'accord, bah écoute, merci à toi. Je t'en prie. Et puis, peut-être à une prochaine, peut-être en Laponie, sait-on jamais. Écoute, avec plaisir. Hein, te voir en Laponie, ce serait avec plaisir. C'est vrai, bah écoute, s'il y a possibilité de venir, j'amènerai peut-être un invité. On peut venir avec un invité ou pas? Je t'en prie. D'accord, j'ai peut-être une idée de quelqu'un à amener avec moi. Merci en tout cas, mec. À une prochaine. Allez, à bientôt. Salut.